YouTube, et ben on est reparti sur Mario Sunshine. Il nous reste quelques soleils à faire dans les niveaux Benoki et Village Puyenta, les 100 pièces à faire aussi. J'ai vu qu'il y avait un soleil à l'aéroport aussi. Et puis après on va regarder Place Delfino, qu'est-ce qui nous manque. Et puis on va essayer de récupérer toutes les petites pièces bleues qui va nous manquer, un paquet je pense. Donc let's go, on perd pas de temps. Hop, qu'est-ce que je fais? Ah oui, le ALB, c'est vrai. C'est vrai que le ALB sont pas le même que sur la manette Xbox. C'est vrai. Alors regardez, qu'est-ce qu'il me dit lui? Ouais, je vais aller en part. Hein? Je tombe. Quoi? Ah, je les avais pas. D'accord, non, ça y est, je viens de comprendre. Je viens de comprendre que j'avais pas les 10 balles. Quel sac. Plus simple, hein, c'est d'aller ici, je pense. Dans les égouts, il y a plein de pièces. Évidemment, je vais au seul endroit où il y en a pas. A priori. Ok, merci. Une vie, ça peut toujours servir. Padam padapapam. Padapadapapam. Pam 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 parapapapapapam. En plus là, il y a des pièces là-bas. Je crois que c'est là, non? Non, c'est là. Ah, j'étais à côté, hein. Et une vie. Parfait. Alors, allez, let's go. Ok. Voilà, puis il y a des... Il a l'air content, lui. Voilà, mais il y a des pièces partout. Mais là, il y en a partout. Non, mais non, faut que je refasse. Ah ouais, fallait que je prenne l'autre bus, voyons. C'est moi la grosse bus sur ce coup-là. Par contre, ouais, ça me coûte 10 balles, mais après... hop. Il y a les 100 pièces du coup ici. Ça me paraît possible, hein. Hop. Non.
Darby. Est-ce que c'est un truc sur lequel on peut monter? Ouais. Est-ce qu'il n'y aurait pas une pièce tout là-haut? Non. Allez, on va perdre. Ah, on meurt carrément, quoi. Évidemment. J'avais oublié que c'était Mario. Ouais, reviens là. Oh. Ah ouais, y a pas intérêt de déconner, quoi. Ok, après on va là. Je suis à côté. Hop. Ouais, j'ai appris à faire ça. Coucou mon chat, tu ne bois pas dans mon verre hein. Ok. Bon, on le refait. Et du coup, il faut que j'ai cette buse là. Si je ne m'abuse. Blague. Blague. Bien évidemment. Très bonne blague de ma part. Hop. Ok. Oh non, il m'a bouffé. Non mais remonte, remonte Mario. Ok, ça c'est bon. Ça c'est foiré. On va essayer de le refaire. Non. Ça c'est encore foiré. Je vais y arriver à un moment, vous inquiétez pas. Ouais, c'est bon. Il y avait une pièce qui était sous le pont. Je l'ai pas eu. Comment j'ai fait pour pas l'avoir? Sauter. Ok. C'est bon. Je l'ai eu. Tout est sous contrôle. 64. Je vais quand même vérifier si s'il n'y aurait pas les 100 pièces par hasard. Parce que bon. A priori, c'est pas les pièces qui manquent ici. Hop. Tac. Let's go. Je passe à côté hein. Ok. Aïe.
Qu'est-ce qu'il y a ici? C'est quoi ces, ces blocs là? Ah! Je viens de comprendre c'est quoi ces blocs. Ok. Ok, d'accord. D'accord, bah ok. Ah, j'allais pas du tout, hein. Ok. Je l'aurais déjà eu, hein. D'accord. A priori, je l'ai déjà eu. Ah, non, on peut pas les avoir comme ça, d'accord. On va y avoir une pièce bleue si on les bute tous ou une connerie dans le genre, je pense. Pourquoi il y aurait autant d'ennemis qu'on peut pas avoir avec la buse Je ne vois que ça. Ou un oiseau. Faudrait que je vérifie les oiseaux aussi. Pour les pièces bleues. Et alors, ça me donne quoi? Ça me donne rien. Non, moi je me suis trompé. Et petit oiseau. Petit oiseau. Pas y'a non. Je vais regarder sur la Solus. Ce sera plus simple. Hop, on sauvegarde. Place Delfino et aéroport. L'aéroport. Premier soleil. Soleil caché. Cette zone fonctionne comme une sorte d'annexe à la place Delfino pour récupérer notamment une pièce bleue qui compte comme 20e pièce de cette zone. Si vous récupérez 100 pièces, le soleil sera le même que celui de la place. Ok, d'accord. Ah d'accord! Oh là là, mais j'aurais pu le faire avec... Oh, ça aurait été tellement plus simple. Les 8 pièces rouges. La pièce bleue de l'aéroport. Une pièce rouge dans une autre... comme la 20e pièce. Ok, bon, celle-là, je l'ai eu. Ok, ça en est bon. Ensuite, la Benoki. Ah oui, c'était le truc un peu compliqué là, que j'avais pas compris. Je sais même plus où elle est la Benoki. Oui, non, la Benoki c'est le... C'est regarder le soleil. Ok. Aïe. C'est dans ma tête. Et donc, la Benoki, faut que j'aille où? Allô? Ça déconne? Oh d'accord, ok, ça... C'est ça que je veux. Se trouve au sommet de la falaise la plus Utilisez le passage se trouvant dans le mur près du drapeau d'Ipiantissimo. Mega Bloops. Suivez le tunnel sur votre gauche. Au bout de celui-ci, sautez en cavité au-dessus de vous. Près d'un palmier. Attendez, je vais regarder le... je vais regarder la vidéo parce que c'est vraiment pas clair. Et je la vois là.
Ils vont dans le 6 déjà. Après, il va là. Ok, la falaise. Ok, ça, j'ai compris. Ça, je l'avais fait. Ah, c'est ça ? C'est ici ? Ah ! Ok. Ok, bah c'est tout simple en fait. Finalement... finalement, c'est tout simple et finalement, j'y avais déjà été. Donc, c'est ok. Hop. Et là on se fait éjecter. Et voilà, vous avez vu le petit piou-piou. Allez, reviens, Piu-Piu. Merci, Piu-Piu. Trop gentil. Hop. Bah voilà. Deux soleils en 15 minutes. Merveilleux. Ensuite, les 100 pièces. Eh bien... Pour ainsi, si vous préférez, c'est à l'extérieur, récupérez 50, si vous suivez le chemin et forme à quelques centimètres du au-dessus de la mer, vous pouvez vous servir de la barque du castor. Faites une petite visite de tous les passages secrets dans les murs. Entrez dans le tombeau du roi Noki. Attendez les 100. C'est loin et fastidieux, mais ça change rien à la place ou apparaît le soleil, peu importe où vous terminez votre collecte, celui-ci apparaîtra en effet. Loin de vous, au-dessus du coquillage, le plus haut de la zone. La catabuse pour y arriver. Je vais regarder juste qu'est-ce qu'ils utilisent comme le dernier. Hein. Non ? Ah, le 6. Ok. Et bah, on est bon. Alors, ouais, il y a déjà plein de pièces déjà au niveau de l'eau. C'est pas ça que je voulais faire. Non, c'est pas ça que je voulais faire non plus. Faut aller voir l'autre. Hop, bon. El amigo. On est bon. Hop. Alors, qu'est-ce que tu me dis ? Ah, tu me barres quand tu souhaites. Ah oui, oh non. Oh, faut utiliser Jet pour manœuvrer. Oh, quelle horreur. Évidemment. Évidemment. Ah, mais une pièce bleue, là. Je l'ai vu.
Allez, vas-y. Vas-y, tu m'énerves, toi. Barre-toi. Non, non, mais... Je veux ça. Non, je récupère la pièce, moi. Voilà, c'est tout ce que je voulais. Après, il peut m'avaler s'il veut, je m'en fous. Vite. 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 Et prends une pièce, voilà. Non mais prends une pièce. Non mais monte. Oh non. Ah. Bon, j'ai eu la pièce bleue, c'est pas grave. Ah zut 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 zut. C'est franchement pas les trucs les plus fun à nager dans celui-là. Hein. Je vais dire du bien de Mario 64, mais nager dans Mario 64 est mieux que dans Galaxy. Que dans Sunshine. Ah zut. Je pense qu'on va, voilà, plutôt que de le faire à la barque. Ah mais voilà. Je peux juste nager tranquillou. Et la récupérer. Donc c'est ce qu'on va faire. Nager tranquillou. Ouais, utiliser le jet. Quand même un petit peu. Histoire d'accélérer le mouvement. Voilà. Je pense clairement que ça va prendre moins de temps que d'utiliser le canoë là, parce que le canoë c'est juste infernal à contrôler. Et c'est un bon moyen en fait finalement d'apprendre à contrôler le canoë avant le dernier boss quoi. Parce que c'est vrai que quand on arrive au niveau du dernier boss et puis qu'on est obligé d'apprendre d'apprendre comment ça marche. Bon. Chiant. Alors, on en est à combien? Ah, mais regardez, ça monte trop vite. Ça monte trop vite. Je sais pas où sont les autres, mais... Ok, en plus une vie, oh là là. Musique sympa là. Hein. Zen. Alors, ici, je sais qu'il y en a. Et qu'il y en a pas mal, même. Merci, merci le jeu. Oh non, mais Rabia, t'es relou. Hein. C'est bon. Pas toutes les deux secondes. Hein. Je suis pas le portier. Ah. Voilà, ici nous avons une petite pièce. Toujours ça de prix.
Est-ce que là il y en aurait pas? Je ne sais pas, je ne sais plus. Je suis perdu. A priori non. Hop. Aïe. Tout là va y en avoir. Zut, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'il me fait? Mario? Mais Mario, bah non. Oh bah Mario, il veut pas. Mario, il veut pas. Alors là-bas, je pourrais aller en chercher. Ah bah il y a celle dans les caisses ici. Mais... Merci. Pourquoi ça tourne pas? Alors... Oh non, il va essayer de me choper. Ok, on remonte. Plus que 11. Finalement. Ça va assez vite. Plus que 11. Ouais, mais est-ce que ça me donne quelque chose ici? Je crois pas. Mario, arrête. C'est chiant. Mais... Voilà. C'était chiant. Mais j'ai réussi. Oh, il y a une vie en plus là. Trop bien. Ah non. Ah non, non le jeu. Oh et moi tout innocent. Oh regardez, il y a une vie, c'est trop bien. C'est comme ça que tu me remercies le jeu. Allez, on m'apprendra à vouloir faire le 100%, tiens. Eh oui, il veut pas que je monte en haut. Hein. Oui, on peut pas monter en bas, tout ça, je sais.
Ok. Ça, c'est une bonne chose. On va attendre un petit peu que ça se referme, histoire que ça se referme pas sur moi, ça serait bête de perdre maintenant. Oh, ça peut, ça se referme pas en fait, ça. Ça s'ouvre vers l'avant. Faut attendre. Ouais, ça me ferait juste tomber au pire en fait. Voilà. Pourquoi? Mais oh là là, mais. Mais pourquoi il J'en ai marre. Pourquoi il se cogne? Pourquoi il se cogne, ce con? Voilà. Et en plus, j'ai pas la bonne buse, voilà. Salut Ewen. T'as déjà fait le jeu? Eh ben non, c'est la première fois que je fais le jeu. J'ai fait, je pense, tous les Mario officiels en niveau plateforme. Par exemple, je ne parle pas des Mario et Luigi qui sont des RPG. Mais Sunshine, c'était le seul que j'avais pas fait. Et du coup, bah, j'ai la collection 3D All Stars. Mais comment on fait? Comme ça? Non, pas comme ça. Mieux que ça? Voilà, mieux que ça, je pense. Ok, donc déjà, j'ai la bleue. C'est une bonne nouvelle. Il est trop bien. Ouais, je l'aime bien. Hein. C'est un bon jeu. Ouais, il y a des trucs un peu chiants, mais... C'est avec. Moi, mon jeu préféré, c'est... Le tigre de Tasmanie. Je ne sais pas de quoi tu parles. C'est quoi comme jeu? C'est sur quelle plateforme? Et là, si j'arrose les plantes. Non, ça me donne rien. C'est pas très sympa. Je sais qu'il y en a une là-bas. Il y avait un champi ici. Bien planqué. Yo. Salut à Vorpal. Regarde sur internet vite fait, tu verras. Je regarde un peu plus tard. Après, bah, tu peux en parler si tu as envie. Comment ça va, Vorpal? Il a l'air plus maniable que le 64 de Sunshine. Non mais... Déjà, regardez. Juste, technologie du futur. Il y a, sur cette manette, un bouton ici. Qui est en fait un petit joystick. Ouais, c'est comme à l'ancienne, les gros joysticks qu'on avait là, comme ça, pour balai d'avion. Manche à balai d'avion. Et là, vous voyez, ce petit joystick, en fait, on peut l'incliner. Alors là, je vais pas appuyer dessus. Et en fait, mais quand on l'incline, regardez ce qui se passe. Oh, par rapport à Mario 64, voilà. Voilà ce qui se passe. Regardez, hop, je peux m'approcher. Et je peux me reculer. Et rien que ça, par rapport à Mario 64, c'est une révolution. Voilà. Pas grave, j'ai eu ma piécette, je m'en fous. Si j'essaye d'aller là-bas, moi. Ça peut être pas mal, hein.
Rabia, t'es juste chiante. Honnêtement, t'es juste chiante là. Qu'est-ce que j'ai essayé de faire? Hop. Mais... Allez, vas-y. Vas-y. Non, bah je pensais qu'il allait réussir, mais non. Ok. Merci. Évidemment. Alors, ça c'est bon. Tac. J'espère que ça m'emmène quelque part. Hein. J'espère que ça m'emmène quelque part ou que ça me donne quelque chose. Hein. Ok. Mouais. Mouais. Ah bah oui, ah bah oui, 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 il y a des trucs. Parfait. Alors. Donc, une autre pièce est bleue. Toujours ça de prix. Ok. Ah, ça y est. Ah bien, a priori, a compris. Ah, mais non. Ah, mais j'ai viré... Oh non, mais j'ai viré ma buse. Oh, comment je peux le faire? Comment je peux y arriver? Est-ce que je peux arnaquer le truc ou pas? Ouais. Oui, je peux l'arnaquer. Ok, cool. Évidemment, après, je me fais tabasser. J'ai bien fait de pas commencer par celui-là. C'était une bonne idée. Est-ce que la catabuse m'aiderait pas pour ça, par exemple, aussi? Ouais, je suis pas sûr, mais bon. Ouais, non, faudra que je trouve quelque chose de plus efficace que ça. En attendant, nous allons voir comment récupérer le soleil. Bon, déjà pas comme ça, c'est sûr. Comment ça va, Vorpal, sinon? Évidemment, je tombe. Non. J'essaie d'aller plus vite et finalement, en fait, je suis en train de... Grosse démotivation pour le stream. Hein? Ah bon? Non. Désolé, hein, mais je suis obligé d'être ironique là parce que... Oui, effectivement. Effectivement, quand ça fait 3 semaines que t'as pas streamé, j'imagine qu'il y a grosse démotivation. Effectivement. J'avais cru comprendre. Et pourquoi donc? Aïe. Oh mais pourquoi j'essaie comme ça? Pourquoi j'essaie d'y aller comme ça là? C'est nul. Je vais quand même continuer. Je vais quand même continuer sur cette voie. J'ai pas chopé la catabuse pour rien. Hein.
Ok. Alors, si je me mets là. Voilà, regardez ça. Bon, ça c'était nul, mais imaginez ça en mieux. Si vous voulez un petit stream relax, cool, cool Raoul, il y a Blacky qui est en train de faire un... Il y a Blacky qui est en train de faire un puzzle. Oh, je veux pas faire ça. Comme d'hab, l'impression de pas avancer, mais pourtant, ça a avancé. Eh, va-t'en le truc bleu là. Merci. Alors. Ok. Non mais arrête. Non mais. Il se fout de ma gueule le truc rouge là. Pourquoi il me suit? Pourquoi il me suit? Je vais crever. Oh, je déteste le jeu. Non mais barre-toi. Oh putain. Mais je suis débile. Et je suis obligé de me la retaper. Voilà, bon bah on vient de perdre 20 minutes. Mais c'est pas possible d'être aussi con. Et tout ça pour essayer d'y aller avec la catabuse en plus que j'en ai rien à foutre quoi. Oh, je m'énerve. Je m'énerve vraiment. Je sais pas pourquoi, j'aime fail comme ça. Ça me fatigue. Ça me fatigue. Et on refait le tour. Hop. Mais après, ouais, sur les streams, faut peut-être pas que tu te mettes trop d'objectifs en fait. C'est peut-être ça le problème, quoi. Bon, en ce moment, je fais des audiences de merde. Hein. J'étais très content pendant un temps, je faisais des bonnes audiences. Enfin, des bonnes audiences pour. Évidemment. Ma popularité, évidemment. Donc j'étais très content de faire ces audiences là. En ce moment, je tourne à 0, 1 ou 2. mais voilà, ça me permet de jouer à des jeux, de temps en temps il y a des gens qui viennent. Tu vois, Ewen, je sais pas, Ewen, je vois si t'es encore sur le stream, mais... Voilà, tu fais partie des gens qui me motivent, sache-le, à continuer. Donc je suis très content d'avoir des gens, des inconnus en fait, qui arrivent sur le stream, quoi. Alors qu'est-ce qu'on a ici?
Non, non, c'est non, non, quoi que je fasse en ce moment, les audiences sont vraiment pas ouf, quoi. Mais non, mais ah, Mario. Non, c'est vrai qu'il y avait rien là. J'avais dit qu'il y avait rien. Da-da-da-da-da-da. Allez. Allez, wall jump. Hein. Les wall jump dans celui-là, c'est vraiment pas le truc le plus réussi. Hein. Tiens. Tiens. Qu'est-ce donc ? Ouais. Désolé, je tousse ce soir, dis donc. Ah non, lui j'ai déjà eu. On est là, mais non. Ok, j'en doutais. Ah là 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 là. Tant pis. Bon, on va continuer. En plus, je suis à 85, bah oui, qu'est-ce que je me fais chier. Vraiment, je suis en train de m'emmerder pour rien. Mais voilà, non, ça me va, les gens qui viennent sur le stream sont sympas et tout, donc j'ai pas à me plaindre. C'est plus une connerie d'y aller en remontant, mais bon. Petite complainte de la barre de vie. Ça me fait rire. Oh. Oh. Vraiment pas contente, quoi. Bon, cette fois-ci, on va essayer de pas fail. En plus, c'était... Oh, d'accord, non, mais... En plus, j'ai vraiment fait le con, hein. Parce que à cet endroit-là, c'est assez simple, hein. Ouais. Oh, non, mais par contre, m'en voit pas là-dedans. Le jeu. J'ai compris où fallait que j'aille. C'est assez simple d'y aller. Ah, je vais pas déconner. Hein. Enfin, je crois que c'est assez simple d'y aller.
J'ai le doute. D'un coup, j'ai le doute. Ah, il pouvait pas me filer le filin, là qui m'emmène en haut direct. Hop. Bah, je peux le faire, en fait, là, non? Et voilà. Pourquoi je m'embêterais-je? Alors que je peux y aller direct. Ensuite, je vais continuer à monter. Ensuite, bah non, c'est là. Hop. Hop là. Là, hop. On va essayer de pas tomber. Rapproche-toi. Merci la caméra. Merci la caméra. Je sens que les pièces bleues elles vont être chiantes ici. Hein. Dans ce niveau, il y a plein de cavités et tout. Les pièces bleues, ça va pas être les plus fun à récupérer. Hein. Alors, oui. Ça tourne. Non mais monte. Voilà. C'est pas grave. C'est pas grave. Non mais c'est pas grave. M'en fous. Tout à l'heure je me suis fait avoir, mais là cette fois-ci. J'ai flippé quand même. Hein. J'ai flippé sur la fin. Hein. Alors, 105 soleils sur 120. Ce qui fait 15. Manquant. Si je compte bien. Ok. Alors, non, c'est pas là. C'est où? C'est là. Alors. Tac. Et maintenant, le village Pianta. Il nous manque. Les deux secrètes et les 100 pièces. Donc ce qui va nous faire 3 en plus. On arrive à 108 et il m'en manquera 12. Et 12, donc place Delfino, ouais, place Delfino, en fait il y a les bleus qui comptent dedans. Donc il va me manquer combien? Il va me manquer 120 pièces. Oh, il va me manquer 120 pièces bleues. Parce qu'actuellement j'en ai combien? Ah, j'en ai 9. Et il va m'en manquer 111 pièces bleues. Ok. Je pense pas qu'on finira ce soir. Hein. Je vous le dis tout de go. Il me semble que le jeu ne sera pas fini ce soir. Non, c'est là que je voulais. Voilà. Non seulement il va m'en manquer 111, et je sais pas lesquels il me manque. C'est ça le pire en fait. Le pire c'est pas récupérer les toutes les pièces bleues, c'est aller dans les niveaux et voir lesquels il va me manquer quoi. Ce qui va pas être super fun hein. Alors, le village Pianta. La Benoki, on a terminé. Hop. Village Pianta. Les soleils secrets. Dis-moi tout, les soleils secrets. Alors, retour sur l'épisode 8. Il faut escalader le grand palmier du centre. Ok, arrivez son sommet, placez-vous en vue subjective. Regardez le soleil dans le ciel, place par G en ce sens. Ok. Hop, et bah c'est parti. Faut bien que le sol soit droit, hein, sinon ça marche pas. Mmh.
Hop. Ok. Non, le passage le plus dur, évidemment. Alors. Ah mais à chaque fois je galère ici. Hein. Hop. Tac. Des pièces. De regarder en direction du soleil. Ouais. Oh là là. Oh non mais celle-là elle est... ah celle-là elle est pas ouf. Hein. C'est le gros défaut de Sunshine je pense. C'est entre les pièces bleues où tu tues un ennemi au pif, t'as une pièce bleue, alors ça faut le savoir. Et là, faut vraiment avoir l'idée d'arroser le soleil. Et mec, bon. Je veux bien quoi, mais à un moment. À cette époque-là, Internet existait. Hein, on allait plus aller appeler le Minitel pour avoir la soluce quoi. Dans l'épisode 5. En replaçant sous le village à l'aide de votre Yoshi, encerclez ensuite l'interrupteur pour faire un nouveau challenge. Enclenchez l'interrupteur. Ils ont récupéré les 8 pièces. Hein ? Ah, dans l'extra, d'accord. Ok, c'est... ça y est, je viens de comprendre. J'ai appris à lire. C'était combien ? Ok. Qu'est-ce qu'il veut ? Il veut ça, le Yoshi, comme Frix. Bah, ce que Yoshi veut, Yoshi obtient, non ? On va aller lui chercher son petit fruit. Ok, ensuite on descend. Qu'est-ce que j'ai fait? Dommage. Oh bah je suis mort direct. Non mais si je sais pas sauter après, hein, c'est pas la faute du jeu, bien évidemment. Non, c'est l'épisode 5. Te gourre pas. Voilà. Oui, j'ai déjà vu. C'est bon le jeu. C'est gentil de me présenter le niveau, mais... j'ai juste envie de jouer, en fait. Ok, noix de coco. Oh. Oh, un bonk. Ce bonk. Hmm.
Ok, bon. Ça, c'est ok. Parce que là, c'est bon. Je peux choper le... la vie avec le... Ah, avec la langue de Yoshi, c'est pas possible. Hein. Ok. Ok. Hop. Et là, on vomit. Et c'est parti. Ah, c'est lui. C'est bien. Ok. Je l'aime pas lui. Hein. Ok. Et de une. Ah, faut être bien placé. Hein. Attention. Bon, pour l'instant, ça va. Ensuite. Bon, je vais l'attendre. C'est con parce que je perds du temps. Mais je préfère ça plutôt que d'être mal placé. Ça va être chaud, hein. Avec le temps que je viens de perdre, là. Ça va être chaud. Let's go. Merci. Hop. Hop. Vas-y, c'est un lanceur, lance-moi. Zut. Mais non, mais... Ok. Oh, j'arrive pas à faire le saut. Ensuite, on va où? Ah ouais, d'accord. Ah, j'aurais pas le temps, mais... Ouais, j'aurais pas le temps et... De toute façon, je me suis lardé. Ok, mais bon, j'ai compris ce qu'il fallait faire. J'ai perdu trop de temps au début, là, ouais. Ça, c'est bon. T'as un lanceur. J'ai compris. Hop, toi. Vas-y, lance-moi. Ouais. Bon, on devrait pas être trop mal... Si on... Oh non mais je me fais éjecter par le coin quoi. Je me fais éjecter par le coin. Il y a Mario qui s'arrête, puis bam, éjection. Ah là là. Les collisions. Les petites collisions à l'arrache. Merci beaucoup le jeu. Hop, mais en même temps j'étais mal placé. Voilà. Cette fois-ci. Non. Oh, j'essaie d'aller trop vite. J'essaie d'aller trop vite, ça me réussit pas. Allez. Je peux le faire. Y a pas de raison. D'autres l'ont fait avant moi. C'est que c'est faisable. Est-ce que c'est faisable tout en restant digne? Je ne sais pas. Mais c'est faisable. Allez, lance-moi. Merci. Toi quand tu veux. Oh, je suis décalé. Oh, ça va être nul. Oh, ça va être nul. Non!
Ouais. Bon bah finalement j'ai bien fait de récupérer des vies hein. Parce que je vais toutes les perdre ici. Déjà la première fois je l'avais pas aimé ce niveau. Hop, allez. C'est tellement au millimètre quoi. Un peu trop sur la droite. Et il m'éjecte. J'ai une nouvelle emote si vous voulez. Hein. S'il y a du monde, s'il y a du monde de sub dans le chat, n'hésitez pas. Il y a la nouvelle, il y a la nouvelle emote. Elle est faite exactement pour ce genre de situation. Son nom est assez explicite. N'hésitez pas. Hein. Ah, évidemment, il se rebarre à ce moment-là. Quoi. Donc là, je suis en train de perdre tout mon temps. Ça va être fou. Oh là, mais prends ton temps, mec. Hein. Vas-y. Hein. J'ai que ça à faire. Et là, forcément, mais voilà. Et là que je suis bien, en fait, c'est bah, je vais pas avoir le temps. C'est ou l'un ou l'autre. C'est génial. Hein. Je suis tellement décalé. Oh, ça passe. Ok. Vas-y, lance-moi. Merci. Ok, 29 secondes. Allez, on va essayer de le faire. Ok. C'est bon. Ah non, maintenant faut aller la récupérer. Ah. Il y a un moment où il s'éteint ou pas? Voilà, merci. Il m'a sauvé, merci mille fois. Ouais, d'accord. Faut pas que je tombe. Hein. Oh, je pensais pas que c'était un lanceur. Oh, non! Oh, mais ce jeu! Mais je le déteste! Mais je crois que c'était juste un mec random à qui on allait parler, quoi. Oh, j'avais réussi. C'est nul, c'est nul. Franchement, c'est nul. Le nombre de soleils que j'ai raté parce que je fais un truc dans le jeu qui fait... Le jeu a pas... Enfin, le jeu veut pas que je... Mais vraiment? Le jeu a pas envie que je le fasse à ce moment-là et... Bon, allez, vas-y, je me suicide. Voilà, ça va être mieux. Oh, mais c'est chiant, c'est chiant. Et voilà, il y a... C'est le truc qui me gave dans ce jeu, quoi. C'est... Tu testes des trucs et puis bah le jeu te dit « Ah bah non, mais t'as pas dû faire ça, voyons. » Bon bah voilà. Je sais plus faire mes sauts non plus. On est bien. J'avais réussi, ça me dégoûte. Me retaper là. Le truc au millimètre là. Là je vais me faire éjecter. Non, ah, non, c'est... Ah, non, c'est pour une fois. C'est... Ok. Ça en est bon. Ok. Non. Oh, putain, mais barrez-vous. Non, merde. Et voilà, évidemment, parce que les mobs de merde me touchent.
Non bah là c'est pas fun en fait hein. Là le fun est rompu là. Mais... Et juste parce que je fais le truc... Non 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 mais arrête parle lui. Ça y est, je m'énerve. Ça y est, je m'énerve. C'est tellement pas juste que ça y est, je m'énerve. C'est tellement l'injustice des fois. Que ça me gave. Ok. Et je me fais toucher en même temps quoi. Ok. Bon, j'ai plus de temps que tout à l'heure donc je devrais y arriver. Sauf si j'arrive pas à viser le fil. Allez! Voilà, super. Et cette fois-ci, je vais essayer de l'avoir. Alors lui, on s'en fout. Alors lui, on s'en fout complètement. Et lui? On est bien. Ok, merci. Il faut arriver à le refaire. Oh là là, faut arriver à le refaire. Allez, déconne pas. Hein. Tout droit. Merci. Ok. Et bah. Ouais. Ouais. C'était pas fun. C'était pas fun du tout. Voilà. Et le dernier. 100 pièces sont trouvées pour se faire explorer chaque coin du village. D'en dessous, en sachant que. Sachant que choisir l'épisode 5 où Yoshi est disponible constitue une aide non négligeable. Là, il y a la ruche. Ensuite, écrasez-vous au fond de la baignoire sèche puisque de nuit. 13 autres. Vous écrasez sur le nez de la statue Pianta juste derrière 9 autres pièces, 70. Écrasez toutes les caisses, arrive à 100. Ça me paraît plus simple celui-là. Chaque champignon enflammé. C'est marrant, il me fait comme dans Mario 64. Eh. J'arrive à faire les mêmes bugs que dans 64. Allez, je vais essayer. Ah oui, les champignons enflammés. J'avais pas fait gaffe. Let's go. Ils sont où? Il y en a un là-bas. Comment j'y vais en fait? Là, il y a les caisses. Ok. Il y en a d'autres ici. Oh mais il y a tellement de caisses dans ce niveau. Dans cette version du niveau d'ailleurs.
Genre, il n'y avait pas de pièces là. Genre, il n'y a pas de pièces non plus ici. Ça, champignon enflammé. Ok. Le champignon enflammé ne brûle plus. Et je ne sais plus sauter. Allez. Mais vas-y. Il reste coincé. Mais c'est pas possible. Oh là là, Mario. Je vais y arriver un jour. Promis, je vais y arriver. Je vais aller en face. Allez hop. Ça va être plus simple de sauter d'en face. J'espère. Ok. Pourquoi il reste bloqué? Pourquoi il reste bloqué? Oh là 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 là! Mais j'arrive plus! J'arrive plus à faire le sort tourner là, qu'est-ce qui se passe? Mais j'y arrive quand je suis pas au bon endroit en fait. Bon bah voilà, c'était plus simple finalement. Ok. Bon, et de une. Et de un champion. Ah voilà. Et j'ai bientôt plus d'eau. Hop. Est-ce que je peux y arriver? Merde, merde, merde. Oh là là. Oh, j'ai fait le con. Hein. Allez. Oh, juste avant la fin. Ah là là là. Juste avant la fin. Voilà. On y retourne. Alors, est-ce que j'ai les bons ? Oui. Ah déjà ça... D'accord. Le feu se réalimente pas déjà. Bonne nouvelle. J'avais peur qu'il revienne, mais non. Ok. Alors,
l'étend ou pas là? J'ai l'impression que ça va être un Goku hein. Ok, faut que je me mette mieux que ça. Ok. Hop. Ça a coupé mais tellement vite. Allez, non mais prends la pièce. Non mais Mario, au lieu de faire des demi-tours comme ça, prends la pièce. Elle est là d'abord. Ah, une vie. Tellement chouette ça la vie. Hop. Comment ça? Ah quand même. J'allais dire pourquoi il me donne rien. Hop là. Je recharge. Mais pourquoi il me... Pourquoi il me défonce? Oh mais tant de pièces dans le skatepark là. A priori sur son pif. Oh puis une pièce bleue. Non bah la pièce bleue là sans une... mais j'aime bien quand il me fait des justement super long jump, enfin high jump quand je lui ai pas demandé. Et quand je vais en sortir un, ça ne sort pas. Ah, super. Pourquoi y a rien dans les caisses? Pourquoi y a rien dans les caisses? Pourquoi y a rien dans les caisses? Sont calmés, non. Ok. Ça va, pour l'endroit, ils ont pas fait trop chiant. Je dois les remercier pour ça. Alors, quoique je dis ça, mais je roule quand même. Et 108. Déjà une excellente chose. Padapam, padapapam. Bon bah voilà. Alors, nous avons donc l'ensemble des soleils sur les niveaux.
Donc ça rentre en compte les soleils normaux, les soleils cachés et les soleils des 100 pièces. On a les deux de l'aéroport. Et 28 sur place Delfino, mais ça c'est les soleils de la place Delfino, plus... Ah mais faire que je récupère les soleils de la place Delfino aussi. Est-ce qu'il y en a des cachés sur place Delfino? Ah finalement j'ai peut-être moins que ça de pièces bleues à récupérer. Par exemple, pourquoi ça marche pas? Les deux soleils, place Delfino, elle est où? Ouais, je suis en plein dessus. Là, il me dit que j'ai 19 pièces bleues sur place Delfino. Je crois qu'il y en a 20. Je suis pas sûr, mais je crois qu'il y en a 20. Il me semble avoir vu. 20. Les 20 pièces bleues. La seule qui manque, je crois que c'est une des nanas qui veut... C'est les fruits. Les ananas, j'ai dû faire. Les bananes, j'ai dû faire. Les flammes à éteindre, ça doit être good. Les autres pièces, les pièces bleues de l'aéroport. Je pense que, ouais, c'est... Je pense voir laquelle c'est. Qui manque. C'est elle, en fait. Si tu pourrais m'aider, il faudrait que tu me rapportes des fruits. Je m'en ai envie de manger des durians. Mais ouais, justement, c'est pas les plus simples. Hein. Est-ce que j'en ai dans le coin, en fait? Est-ce qu'il y a des durians dans le coin? Là est la question. Je crois pas. Ok. Ah, les durians, ils sont là. Voilà, et les durians, c'est ça, quoi. Les durians, par contre... faut y aller doucement, je pense. Faut les approcher tout près du bord. Puis après, shooter comme un gros dégueulasse dedans, c'est ça. Ok, bon allez, let's go, on va essayer. Ah, le pire truc, hein. Ah, d'habitude, c'est projeté à 10 km. Ah, faut faire comme ça, d'accord, ok. Ok. Ouais, je saute. Yes. Yes, yes, yes. Ok, Edor. Ouais, cette pièce bleue là qui me manquait vu que celui-là je me serais rappelé d'avoir fait ce truc là quand même. Clairement. Ok, après je me jette. Voilà. Tiens, le petit piou-piou, il vient.
Il y a le petit piou-piou qui vient m'aider. Hop hop hop. Non non mais non. Ah. Il est où? Ah, me dis pas qu'il est Keblo hein. Ok. La caméra, merci. Hop là, et de deux. On y retourne. Ta-tadam, ta-tadam, ta-tadam. Tan 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 tan. Magnifique plongeon de Mario. Vite 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 vite. Je crois que quand on n'est pas à côté d'eux, il se barre. Pouette 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 pouette. Pouette pouette, pouette pouette pouette, pouette pouette. Allez, tu peux y arriver. Oh, regardez comment elle est contente. Merci du fond du cœur. Et hop. Tan 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 tan. Et là non, c'est pas ça que je voulais faire. Place Delfino. Bim. 20 pièces bleues. Ah, il nous met aussi le... Ah bah oui. 28. J'ai eu 28... Ah bah oui, mais je peux pas savoir. Non, je peux pas savoir. Ah si, je peux savoir si je compte là combien j'en ai eu. Alors, sortons la calculatrice. jouons bien, sortons la calculatrice. Calculatrice. Alors, on va faire ça, comme ça. Alors, là, j'en ai eu 24. Plus. Là, j'en ai eu 16. Plus. Le Mont Corono, les 10. Plus. Colline Bianco. 10. 7. Plus. 20. Gelato. Plus. Ça m'étonne d'avoir un compte pile. 16. Plus. Parc Pina. Je vais y arriver. 16. Plus. Port Rico 22. Oh, pas mal Port Rico. Plus Place Delfino 20. Ce qui fait 161 en tout. Faut que j'en ai 240. Donc là j'ai pu avoir 16. Là j'ai eu 16 soleils. J'ai eu 16 soleils. Ce qui fait que dans la ville. J'en ai eu 12. Non, parce que là, ce serait à 29. J'en ai eu 13. Parce que là, j'en ai 10. J'ai combien de pièces bleues là? J'en ai plus de 10 là, je crois. On va aller chercher, comme ça on sera sûr. Ah, j'ai dit j'avais quoi? 28. On va regarder si ça augmente, mais je pense que ça augmente.
Sauvegarder et continuer. Et là, on regarde. 29. Donc j'en ai eu 13. Oh, les calculs. Les calculs de taré. Donc les pièces bleues, j'ai tout eu. Ça, c'est cool. Mais les soleils. Alors... Et niveau secret, j'ai tout fait. La glissade, je l'ai faite. Le flipper, je l'ai fait. Le sprint, je l'ai fait. Les hautes herbes. Les hautes herbes ? Les hautes herbes ? Il me dit rien, lui. Aller au nord-ouest de la place des Finaux derrière le canon. Avec une catabuse, ensuite enclencher la catabuse juste après un petit saut pour monter plus haut. Vous verrez une petite plateforme. Ah bah oui. Ah bah j'y suis pas allé là. Ah bah voilà. Bon bah ça va faire 14. Enfin si j'y arrive évidemment. Avec la catabuse. Ok. Let's go. Mais pourquoi t'as... Oh là là, oh là, Mario. Ok. j'ai eu peur, mais j'ai réussi. La caméra. Pas du tout. Quoi ? Attendez. Là, je pige rien. Ok, tu vas là, c'est parfait. Ah d'accord, faut y aller. Ah oui, ok. Ça y est, c'est ok. Ça y est, j'ai compris. J'ai pas vu où c'était exactement, mais c'est dans le coin. Voilà, c'est là. Ok. Tac. Bon, ça c'est sûr, je l'ai pas eu non plus. Il y a un petit piou-piou rouge. Évidemment que le piou-piou rouge... C'est signe de vas-y arrose-moi, je te ferai une pièce rouge. Il est où ? Il se barre. Reviens. Ok. Ça, c'est bon. Et de une. C'était pas... D'accord. Ah, faut tuer les ennemis. Oh. Qu'est-ce que... C'est une arnaque ça ou...
Là, y'a rien. Ok. L'autre qui court là. Je pense qu'il faut l'arrêter. Hop. Évidemment. On peut pas l'arrêter lui. C'est dangereux un feu comme ça là. Non mais okay, ça ne fait rien. Ce n'est point grave. Et parle-moi toi. Oh là 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 là. Merci. C'est vrai, je suis un peu timide malgré mon âge, complètement diminué par ma collection de pièces rouges, mais si tu veux mon avis, je pense que ce n'est pas comme ça que je trouverai le bonheur. File-moi tes pièces du coup, non? C'est quoi là-bas? Ah d'accord. Ça, c'est good. J'en ai pas vu une en hauteur? Non. Ou alors je l'ai déjà prise. Alors ça va être ouf. Il y a ce truc là quand même qui me semble bizarre. Hein. Ah mais faut peut-être que d'accord. J'avais pas fait gaffe que c'était dans un trou en fait. Et donc faut peut-être que je sois en hauteur pour pouvoir l'arroser. Ou pas. Mais... Merci. Il y a un trou. Ouais. Là, il y a un truc, ça se voit, mais on peut rien y faire. Bon. Solus. Sur un des blocs de bois géant, dans un trou près du bord, vous trouverez dans un petit tunnel dont la sortie est une ouverture dans le bord d'une... Ah! Ah! Ah ok, c'est bon, c'est trouvé. Ok. Quoi? Ouais. Pouette.
Pouet, 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 pouet. Donc ça en est bon. Je pense que ça me fait 14. 14. Mets la petite dernière avec tout. Il y a combien? 17 soleils sont 17. Bah oui, 15 plus 7, plus 2, les deux de l'aéroport. Ouais. Donc ça j'ai fait. Alors le pianta lanceur, le jeu des caisses. Non, le jeu des caisses, ça c'est fait. Ah, le pianta lanceur, c'est fait aussi. Ok, ça j'ai. L'oiseau doré, j'ai fait aussi. Le trésor de la plage, je crois pas que j'ai. Hein. Le bouchon du phare. Première cloche, deuxième cloche. Et les 100 pièces. Toujours sur la même plage, arroser le sable près du phare, à mi-chemin entre les immeubles et la mer. Parce que le son indiquant une réaction teintera vos oreilles, arroser le sable jusqu'à découvrir le contour d'un soleil dans le sol. Allons voir ça. Ok, c'est là. Et Mario qui ronflait, évidemment. Ah. Et la voilà. Pouet, 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 pouet. Sauvegarder et continuer. Mais du coup, dans les 31 qui me dit là, non, il n'y a pas les deux de l'aéroport. Donc j'en ai 16. J'en ai 16 avec les pièces bleues. On est à 31, donc je suis à 15. À 15, on est bon. Normalement, on est bon. Normalement, pour... Place Delfino, on est OK. Pour Place Delfino, on est OK. Donc, on va pouvoir aller chercher les pièces bleues un peu partout. De toute façon, c'est pas compliqué, j'en ai eu 161 des pièces bleues. Hop. Et donc 240 moins 161. Ça en fait 79 à récupérer. 8. Il m'en reste 8 encore à avoir. Ah bah non, ça me ferait 119. Merde. Merde. Putain, le compte est pas bon. Le compte est pas bon, Kevin. Ou alors, c'est quand... c'est quand on termine Bowser, mais avec... Alors, je sais pas. Je sais pas, j'aurais pas dû en fait, j'aurais pas dû récupérer les... Alors si un jour je refais ce jeu,
ne pas récupérer les soleils des pièces bleues avant d'avoir terminé. C'est une fois qu'on a les 240 pièces bleues, on peut y aller et les chercher. C'est parfait. Mais sinon, non. Mauvaise idée. Donc, les pièces bleues. On peut aller faire les pièces bleues de le bouchon du phare. Ça, je l'ai fait. Hein. Ouais, bouchon du phare, je l'ai fait. Ça, c'est ok. Le soleil boueux, ouais. Première cloche, deuxième cloche. Je suis pas sûr d'avoir fait les deux cloches. Hein. Eh non, elle est pas faite là-haut. Hein. La cloche là, elle est pas faite a priori. Hein. Let's go. Ça coûte rien d'essayer. Je crois que ça m'étonne de y avoir... J'y suis allé là. Ouais, je l'ai faite celle-là. Pourquoi la cloche est crado? Hop. Ça fait rien. C'est moi ou ça fait rien? Allez, maintenant faut aller la récupérer. Et pour ça... Comment on rentre dans le gourbi? Je sais plus. Je sais plus comment on rentre. Parce que là devant... On y rentre, mais c'est pour choper cette étoile là. Mais ici, ah oui, bah oui, bah par les égouts, je suis bête. Suis-je bête? C'est par les égouts. Comme toujours dans Mario. Et pas ces égouts là du coup. Non, les égouts là, on monte en haut. Ok. Hop. On va là. On va là. Après on va en face. Et hop. C'est bon. Il m'en manque 8. Il m'en manque 8 avec les pièces bleues. Et on est à 112. Donc le compte est bon. Et ouais. Oh là là, je sais compter. Je sais compter. Parce que je suis heureux. Du coup. Les collines Bianco. Collines Bianco. Alors. Paf, paf. Il y a combien? 30. Ah ouais, il m'en manque déjà 13 ici, quoi. Allez. Hop. Ah, l'épisode 8, on peut tout avoir. Ah, lise le mur d'enceinte et l'hélice en contrebas. Bon bah non, c'est une pièce jaune.
Les pièges jaunes de Bernadette. Hop là. Et c'est peut-être pas celui-là dont il parlait. Enfin, celle-là dont il parlait. Hop. Lui, il faut le laver, mais je crois que je l'ai déjà fait, mais ça va nous permettre d'avoir un... d'avoir un cœur. Voilà, qu'on a déjà eu la pièce bleue, après on a un cœur. Oh là 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 là. Je joue avec ma vie. Voilà. Hop, ça c'est ok. 3 et 4. Continuez votre route le long du mur d'enceinte et nettoyez la croix sur le mur pour faire apparaître une pièce bleue de l'autre côté. Attrapez-la, effacez l'autre croix d'une autre pièce bleue apparaisse. Ah oui, celle-là, je crois que j'ai pas récupéré ça. Le long du mur d'enceinte. Ouais, la croix, elle est là-bas. Mais j'ai jamais trouvé où c'était. Pourtant, c'est l'une des premières, mais... Regardez, il y a le mec qui est tout crado. C'est ouf. Je sais absolument pas où est cet endroit. Ah mais si, c'est là. Ah, il y avait un mec ici. J'avais jamais fait gaffe. En plus, c'est bien, il me file une vie. Ok. Non mais non, Mario. Merci. Ok, nickel. J'ai plus qu'à refaire la même. De faire le con ou de faire le voilà ou de pas y arriver. Bon, on va attendre que ça apparaisse. Voilà, et on va le refaire, ça va être mieux. Bon, voilà, dans l'alcôve, merveilleux. Recouvert de boue, récurez-le pour qu'il vous donne une nouvelle pièce. Ah ouais, lui, il est censé me donner une pièce, d'accord. Au bureau du mur d'enceinte. Il y a normalement un truc. Ça, j'ai dû l'avoir. Allez sur l'arbre le plus proche de ce M, qui est assez proche du lac lui-même, et voler au-dessus avec l'aérobus pour en extirper... Ok. Mais comment on peut savoir que cet arbre-là en particulier va filer une pièce bleue, quoi. C'est quand même assez dingue. Revenez de l'autre côté du mur d'enceinte. Derrière le creux, vous avez récupéré les pièces 4 et 5. Se trouve un M noir. Ok. Alors pas ici. Non. Donc ça devait être là. Ça devait être là, j'imagine. Mais là on est bon. 9, 10 et 11. Depuis l'endroit où vous avez effacé ce tag, effectuez une rotation à 90 degrés sur votre droite et vous verrez un tag rond sur un mur. Arrosez-le pour faire apparaître une pièce bleue contre la paroi d'un gros bâtiment se trouvant derrière vous. Près de la colline, récupérez-la, effacez le tag M se trouvant à côté pour faire apparaître une autre pièce. Ouais. Effacez le tag O pour faire apparaître la troisième pièce. Ok.
Bon. Voilà. Ah bah là, il y a un haut, là. C'est lui dont tu parles. Ok, je vois où on est. Tac, c'en est bon. Je pense que le haut, c'était ça, hein. Ouais. Ok. Montez sur le balcon du bâtiment contre lequel vous avez trouvé la pièce 11 et arrosez le plafond sous l'un des deux recoins. Oh là, il y a... Il y a un papillon bleu. Alors... Non mais par là... Il est où le balcon? Comment j'y monte? Comment que j'y monte au balcon? Ok... Ah oui, d'accord, là. Ça? Non, c'est pas ça. Un piège jaune. Celui-là, je l'ai pas compris. Hein. Alors, il y a une vidéo, mais c'est pas dans le mémoire que dans le descriptif. Super, les gars. Hein. Là, on a les hauts. Ah, de ce bâtiment-là. Ah. Ah, non, mais j'étais pas dans le bon truc. J'étais pas dans le bon truc. Aïe. C'est l'autre bâtiment. Je vais récupérer de l'eau aussi parce que au bout d'un moment je vais être déçu. Hop. Et... Non mais non seulement faut aller là-dedans et en plus faut arroser quoi. C'est assez relou hein. Là, retournez sur le bâtiment où vous avez trouvé les pièces 9 et 10. Sous l'un des deux toits se trouve une pièce bleue. Celle-là, je l'avais eue. Hein. Suivez la corde qui part, regardez votre gauche. Contre le piquet se trouve une pièce. Au pied du piquet, en enclenchant la catabuse. Ah ouais? Ah ouais? Ah ouais là-bas.
Regardez. Regardez, il y avait ça. C'est ok. C'est vu. Hop. Pied du piqué. Arrête de faire des demi-tours comme ça, Mario. Hop, ça c'est bon. Au-dessus de vous se trouvent des plateformes posées sur des piquets. Tâchez d'avoir la catabus pour monter dessus et vous procurer une pièce bleue. Ok. Ah oui, d'accord. Ça c'est fait. A l'aide du nuage, arrosez-les pour qu'ils gonflent et de l'aérobuse, rejoignez la plateforme du milieu du ravin où trouvez Flora Piranha. Au milieu de la plateforme. Oh, un peu plus chaud ça. C'est juste un tout petit peu plus chaud. Donc il me faut l'aérobuse et il faut que j'arrive à monter tout là-haut. Évidemment, ça va me prendre plus de temps. Parce qu'il faut que je fasse le tour. Ouais. Vas-y, vas-y. Ouais. Rejoignez la plateforme où est apparu le soleil de l'épisode 4 et arrosez l'oiseau bleu qui au bout d'un moment se transforma en pièce bleue et tombera en contrebas. Mais l'épisode 4, il pense vraiment que l'épisode 4, je me rappelle de ce que c'était, quoi. Et où était le... Ah là-bas, regardez, il y en a une. Et comment je l'obtiens? Est-ce que vous pensez qu'en partant d'ici, je vais y arriver? Moi, je crois pas, hein. Non, là, faut la catabuse, là, non? Ouais, faut la catabuse. Je peux monter par là. Non, je vais pas aller assez haut. Hop. Tac.
Faites tourner les pales du moulin le plus proche. Ça, je crois que c'est la 20ème celle-là. Celle-là, ça doit être la 20ème. Il m'en manquait 13, hein. J'avais dit qu'il m'en manquait 13. J'en avais déjà une, donc faut qu'on arrive à 14. Pardon pour cet arrêt momentané. Oh là là. Le soleil de l'épisode 4. Faut que j'aille voir parce que... J'en ai évidemment aucun souvenir. Les pièces rouges du village. Ok, il est tout en haut, d'accord. Ah, il y a peut-être un... Il y a peut-être un piou-piou. Je l'ai peut-être déjà eu le piou-piou, non? Les piou-piou, j'ai tendance à beaucoup les arroser, donc... Ouais, je vois pas de piou-piou qui... je vois pas de piou-piou qui vole. Je pense que lui, je l'ai eu. Aller dans la rivière, on a jusqu'au bout de la zone pour arriver... Pour trouver une pièce bleue. Je crois que je l'ai aussi. Ah, c'était ça, ouais. Sinon, utilisez la catabuse et placez-vous sur la petite ombre. Les pales de ton moulin, tout mon lin, bah trop vite. Hein. Ça, je l'avais fait, ça. Où ça, je l'avais fait. Juste derrière vous. Ouais, la catabuse, la paroi. Allez chercher Yoshi. Voilà, il y a un papillon bleu. Ouais. Allez, d'accord. Donc, il me faut Yoshi. Mais Yoshi, il veut quoi? Je ne sais plus. Il va vouloir un fruit, Yoshi, bien évidemment. Vous ne fuirez pas un coup de main, hein. Alors, il nous faut... la poire bizarre, là. Je sais plus où ils sont, les fruits. Ah bah, il y en a plein, là. Alors... Banane. Voilà. C'est ici. Alors, bah, je vois rien. La caméra. Ah merci Falling Blood. Merci. Merci pour le raid. Désolé, j'ai mis un peu de temps à voir, mais j'étais en train... Petit sac, le nom du stream. J'étais sur le... j'ai que deux écrans et j'étais en train de regarder l'emplacement des pièces. Donc du coup, j'ai pas vu. Carton rouge le stream. Et pourquoi carton rouge le stream? Le titre du stream. Et pas le meilleur Mario. Hein. Clairement, il y a tellement de trucs qui vont pas dedans. Mais merci beaucoup encore pour le raid. Tu me gâtes et en plus j'avais personne. donc voilà. Ça fait plaisir. Ah mais il est où le papillon bleu là? Ah, il est là. Ah, je l'ai déjà eu.
Nous avons du Hades. Hein? Quoi? Je l'ai changé dans le titre du stream, non? Non, est-ce que me dis pas que j'ai été con à ce point-là. Ah non, c'est les yeux dans les pièces bleues. pour son époque, il était fou, je trouve. Trop de nostalgie dessus. Meilleur Mario. C'est Fallen qui... Ah, d'accord, ok. Ah, moi, ok. Désolé, j'avais pas compris. Je suis tellement à fond dans mon jeu. je pige pas. Je suis en train de parler de tout seul depuis tout à l'heure, en plus, donc... voilà, là, il y a du monde, il y a de l'interaction. C'est bizarre, ça me fait bizarre. Non, mais par contre, ouais, non, il a plein de qualités, le jeu. Mais ouais, il y a des trucs qui vont pas, quoi. La caméra... Alors déjà, il a l'avantage d'avoir une caméra, contrairement à... Alors, attends, hop. Merci, Volfania. J'espère que je n'écorche pas ton pseudo. Merci pour le follow. Et en arrivant ici, en effet, je vais bien Mario Sunshine. C'est la faute à Twitch, ouais. Et merci, Shiryu, pour ton follow également. Merci beaucoup. Mario Odyssey. Non, à mon avis, Galaxy. Moi, j'ai un peu comme toi. Enfin, c'est... Alors, par contre, je vais le faire après. Je vais faire Galaxy 1 et Galaxy 2. Enfin, pas ce soir, hein, évidemment. Mais ouais, non. En fait, moi, il y a des trucs qui me gênent dans le premier du nom, je suppose. Les deux, je crois, sont très bien. Hein. Et en plus, il y a Yoshi dans le deuxième. Donc, il y a un petit truc en plus sur le 2 du fait qu'il y ait Yoshi. Mais moi, par exemple, dans Sunshine, ce qui me manque, c'est le long jump. J'ai pas le long jump, et il y a plein de trucs que j'ai envie de faire au long jump, à sauter comme un débile super loin. Alors, évidemment, c'est compensé parce qu'il y a l'aérobus, donc on peut avancer comme ça. Mais t'as pas le dynamisme d'un jeu avec le long jump, quoi. Par contre, par rapport à Mario 64, effectivement, il y a ça. Et rien que pour ça, il est largement supérieur à Mario 64 parce qu'on peut contrôler la caméra. Alors la caméra est paumée un peu de temps en temps. Ça sera un reproche que j'aurais à faire. Mais globalement, ça se passe bien avec la caméra, quoi. Donc... Et le truc là, que je suis en train de faire du coup, qui est un peu naze. C'est les pièces bleues, quoi. Enfin, les pièces bleues, il y a des... Enfin là, je suis obligé de regarder dans la soluce, mais... Sinon, c'est juste pas où elles sont les pièces bleues, quoi. C'est vas-y, faut buter tel ennemi quand t'es dans tel niveau. Enfin, c'est. Là, j'ai fait une pièce bleue tout à l'heure. Fallait arroser. Il y a plein de palmiers là, à côté. Bah, je vais montrer. Hop. Il y a Yoshi aussi, c'est bien. Donc, vous voyez, il y a plein de palmiers là. C'est vachement bien. Il y en a un qu'il faut arroser pour avoir une pièce bleue. Donc comment je sais qu'il y en a un en particulier qui doit être arrosé, quoi. C'est pas ouf. Et les jeux GameCube sont les jeux qui ont mieux vieilli au monde. Par contre, ouais. Bon, en termes... Alors là, du coup, je joue sur la Switch. Hein. C'est la collection 3D All-Stars. Mais ouais, qu'est-ce qu'ils ont bien vieilli. Alors après, c'est de l'émulation, donc ils ont rien rajouté de plus. Il y a peut-être un petit lissage graphique, et encore. Mais ouais, non, c'est vrai que c'est des jeux qui ont bien vieilli. Hein. Zelda, ça y est, j'ai paumé le nom. Merde, j'ai paumé le nom. Wind Waker. Mais ouais, mais parce que... Ouais, mais alors, effectivement, Wind Waker, il est beau, mais c'est le cel shading, en fait. Le cel shading, ça vieillit. Enfin, ça vieillit plutôt bien, quoi. Ah merde, je suis en train de perdre Yoshi. Merde. J'espère que j'en ai plus besoin. Hein. Mais le cel shading, ouais, ça vieillit plutôt bien, quoi. Donc en fait, c'était une contrainte technique. Ils avaient pas assez de puissance pour avoir des grosses textures. Ils se sont dit, tiens, paf, on part sur une DA en cel shading. Et finalement, meilleur truc du monde, quoi. Enfin, ça vieillit super bien, quoi. Alors, j'en suis à combien? J'en suis à 12. Chercher Yoshi, l'autre côté du mur, arroser les ruches. Prenez le chemin conduisant au grand moulin sous le pont en grillage vers une pièce bleue.
Le chemin vers le grand moulin se trouve une plateforme isolée, un peu comme celle de la pièce 16. Arrosez-la et vous aurez une jolie surprise. Bon, alors faut que j'aille au grand moulin. Meilleur truc du monde, genre complètement, ouais. ZOE, c'est quoi ZOE? Désolé, hein, je... En fait, je suis joueur de jeu depuis que je suis tout petit. Par contre, j'ai eu une grosse période où j'étais pas du tout joueur. Et j'ai loupé toute une période, tout un pan de l'univers vidéoludique. Bah ouais, là, une pièce bleue, on voit le reflet, non? Je vois le reflet dans l'eau. Et donc voilà, des fois vous utilisez des abréviations, les gamers, et j'ai pas la ref. Ah non, en fait c'est juste le reflet tout con. Ouais, elle devait être là la pièce bleue. C'était à la fois ouf et à la fois honteux, je trouve. Zone of the Enders. Et bah tu sais quoi, non seulement j'ai pas... Non, ça c'était mon reflet à moi. Non seulement j'avais pas l'abréviation, mais en plus j'ai aucune idée de quel jeu. Voilà. Ça me parle absolument pas. Il y a une plateforme toute seule, ils disent. Arrosez-la. Ah oui, là. Non mais sans déconner, non mais par contre... Non mais regarde, non mais regardez ça. Toi, non mais Fallin, tu vois, tu peux pas dire meilleur jeu. Quand pour faire le 100% quand pour faire le 100% t'es obligé de te pastiller des trucs comme ça, quoi. Vraiment, vraiment. Bon, il m'en manque plus qu'une. Si à l'époque, c'était ça les jeux vidéo. Ouais, fallait appeler l'assistance. Fallait appeler l'assistance de Nintendo, sinon tu pouvais pas finir. Jusqu'au bout de chemin, jusqu'à monter sur les ailes du moulin, effacer le M rouge sur le mur. Vous connaissez la suite, sur le toit du moulin. Miner le cactus qui voudra une pièce bleue. Plonger dans la rivière au niveau de la grotte du lac. Faites demi-tour pour trouver deux pièces bleues dans l'eau. Assez caché quand même. Près des plateformes où vous avez ouvert la boîte rouge à Catabus pour la première fois. Il y a trois morceaux de briques qui sortent de la paroi. Sur l'une d'entre elles, vous attend un cactus qui dort. Hein, non, quoi? Quoi? Abattez-le sans pitié pour obtenir l'avant-dernière place bleue. Catabus pour atteindre les câbles en hauteur les plus proches du grand moulin. Celle-là, je crois que je l'ai faite. Ça, il me semble que celle-là, je l'ai. C'est peut-être... Les pièces bleues dans l'eau. À l'époque où les 100% n'étaient pas gratuits. Alors non. Alors il y a deux trucs. Alors, effectivement les 100% pas gratuits, on est d'accord. Voilà, ça peut être bien d'avoir du challenge. Là, clairement, si t'as pas de Solus, c'est infaisable quoi. C'est soit chercher comme un porc, soit acheter le bouquin de Solus sur marchand de journaux. C'est ça ouais. Enfin tu vois, c'est oui. Là chercher comme, enfin faut tout arroser. En fait, si t'as pas la Solus, faut littéralement tout arroser. Faut arroser tout le jeu quoi. À l'époque où les gens savaient encore jouer aux jeux vidéo correctement, ça demandait implication, recherche et skill. Les jeux qui sortaient demandaient d'être skillés. Non, les moyens, les connaissances, la techno, le jeu, c'est full à 10 bouts. Oh là là, tu peux tellement pas dire ça. C'est... Ah non. Ah non, non. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Et c'est bien, enfin. Moi, je suis pas. Alors, je suis pas assez bon pour dire oh là là, les jeux, ça doit être super difficile. Et les gens sont des gros nazes. Mais c'est bien que les jeux s'ouvrent à des gens qui n'ont pas forcément le skill, quoi. Enfin, tu vois, par exemple, Céleste qui a un mode assisté où tu peux avoir plusieurs sauts et tout, je trouve ça tellement bien, quoi. Parce que le jeu en lui-même a une histoire, le jeu en lui-même donc a des mécaniques que t'as pas forcément envie d'exploiter jusqu'au bout.
Et le fait que Céleste donne le choix au joueur en disant tiens, t'as soit le... En plus, Céleste, c'est vraiment... Le thème, c'est vraiment gravir une montagne, quoi. Donc, que t'aies le choix entre soit gravir ta montagne et en chier au jeu, ou soit profiter un peu de l'histoire et tout. Je réitère, il y a beaucoup plus de jeux difficulté à 10 bouts en 2021 qu'il y en avait en 2000. Je parle en pourcentage, bien sûr. Évidemment, actuellement, il y a 1000 jeux qui sortent par jour comparé à avant où il y en avait 1000 par... Ouais. Oui, évidemment, qu'avec la DMAT... Maintenant, il y a tellement de jeux qui sortent, quoi. Mais ouais, il y a des jeux casu et... Tant que tout le monde trouve son compte, moi... Quoi, si... Cuphead, ça dit bout. C'est si... Ouais, c'est ça, en fait. C'est si on me disait... Il y a plus de jeux à la difficulté... Enfin, avec une grosse difficulté. Parce que... on n'a pas le temps et on sortira que des jeux casu. Oui, effectivement, je serais peut-être déçu là. Là, le fait est que tout le monde y trouve son compte. C'est plus ouvert, c'est cool quoi. Je te retiens. Bon. C'est pas le tout, mais cette dernière là, elle est où? Ah, les trois morceaux de briques là, ouais, ça, je pense que c'est ça. Hein. Trois morceaux de briques qui sortent de la paroi. Ah mais non, ça je l'ai déjà eu. Non, non, celui-là j'ai déjà eu. Ah bah du coup la dernière je sais pas quoi. Le toit du moulin et mini cactus, ça je l'ai fait. Il y a un M, sinon au moulin il y aura un M. Mais ça je crois, j'ai dû le faire. Une marque aussi évidente. Pardon, petit rototo. Ah, c'est pas là? Ouais, je vais faire le tour. Regardez, là où on nous enduit d'erreur. Regardez, on nous disait, vas-y, va par là. En fait, pas du tout. Donc, non. Je remets le chat. Après, pour le coup, Cuphead, c'est aussi un jeu qui fait partie de la catégorie des Die and Retry. Forcément que c'est dur, sa race. Est-ce que ça peut vraiment compter? Bah si. Bah si, enfin c'est un jeu. Il y a une certaine difficulté, enfin si. Fait pleinement partie de ton exemple. Ah, est-ce que vous savez que... On sait encore... On a encore pas fait comme tout le monde, nous les Français. Parce qu'on dit Die and Retry. Et on est les seuls... et on est les seuls à utiliser cette expression. Puisque les anglophones disent trial and error. Donc on a utilisé un terme anglais que les Anglais n'utilisent pas. Je pense qu'on a encore fait fort sur ce coup-là. Ta-ta-dam. Ah zut. Est-ce qu'on est intelligent? Bah oui. Évidemment. Et bah j'ai pas d'idée où est cette fucking dernière pièce bleue. Ça serait dans le lac. Mmh.
Non mais c'est rigolo en fait, ça me fait marrer, ça me fait penser film anglais qu'on traduit, mais qu'on traduit par des enfin par d'autres noms en anglais. Genre The Hangover qu'on a traduit par Very Bad Trip. Ah ouais? Ok, c'est pas... Ah bon? Mais pas... Pourquoi on a traduit un truc anglais pour remettre un truc anglais derrière? Elle est connue celle-là, mais il y en a plein d'autres. Il hein. Y en a tellement plein d'autres. Mais du coup, ouais, voilà, c'est sur le Die and Retry, ouais. On est les seuls à utiliser ce truc-là, quoi. C'est du trial and error. Bon bah pas l'air d'être là hein. Ma piécette bleue là. Va falloir que je me sauve de mon côté, on m'attend au téléphone et j'ai encore 2-3 trucs à régler avant d'aller me coucher. Bah pas de soucis, pas de soucis. De toute façon là je cherche ma dernière pièce bleue puis je vais aller me pioter. Je donne un atelier demain matin donc j'aimerais bien... J'aimerais bien être en forme pour le donner. Mais encore merci pour le raid et merci d'être passé et puis d'avoir discuté. Ça me fait plaisir. Puis j'avais vraiment pas grand monde ce soir donc c'est plutôt sympa d'avoir du monde et de pouvoir discuter. Merci beaucoup. Ta-da. Bah je ne sais pas. Ah puis bah voilà, en plus vous étiez là pour ça y est j'ai franchi les 500 heures de stream. Voilà, ça y est. Deux streams de raid pour un super streamer, ça fait plaisir. Bon courage pour ta dernière PS7. Passe une bonne nuit. Attends que j'y suis. Bref, tout ça, à très vite. Bisous à tous les loups du chat, bien évidemment. Je vous aime. Oh là là. Oh là là. Que d'amour. Ça fait plaisir à voir. Merci encore. Du coup. Les trois, ça c'est ok. Les câbles en hauteur sur le moulin, c'est fait. Sur une des plateformes encore plus près du moulin se trouve une pièce bleue. Ça là j'ai hein. La rivière G, le toit du moulin G. Avant de monter sur les ailes du moulin, effacer le M rouge sur le mur, ça c'est fait. C'est fait, le chemin conduisant au moulin sous le pont 1, là une pièce bleue. Amener Yoshi de l'autre côté du mur. Faites lui manger toutes les abeilles qui en sortent, une pièce bleue récompensant vos efforts. Ça, je crois que je l'ai. Hein. Ou alors je me suis gouré. Bah, je vais ressortir hein, en fait. On va bien voir si je sors de la zone, qu'est-ce que ça donne. Si j'ai le bon nombre ou pas. Ou s'il m'en manque une. Bah bonne nuit, à bientôt. Merci beaucoup d'avoir été là. Oh oui, non, c'est pas affiché ici. Colin Bianco, 29. Merde. Merde. Zut. Je vais regarder, je vais essayer de voir. La vidéo vite fait là. Qu'est-ce qu'il me dit? Celle-là, je l'avais eue. Ah, il va où? Ouais, là-bas.
Là, il va grimper. Ça, je l'ai eu. Ça, je l'ai eu. Oh, le farm, quoi. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, il va chercher le fruit pour Yoshi. Le papillon. Les ruches. Les ruches, je les avais faites. Qu'est-ce qu'il essaie de faire avec Yoshi là? Rien, ok. C'est peut-être le piou-piou, hein. C'est peut-être le piou-piou. Finalement. Parce que là, c'est le... C'est le premier niveau. J'arrosais peut-être pas tous les piou-piou au premier niveau. Ouais, ouais, vas-y, vas-y. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Ok, là on est bon. Hop. Ouais. Ok. Et là ils disent que le piou-piou il est là. Ah bah oui. Piu-piu. Piu-piu est là. Oh, j'espère que c'est ça. Hein. Bon, par contre, faut que j'aille plus haut, j'ai l'impression. Parce que là, ça a pas l'air de l'arroser beaucoup, le piu-piu. Il est où? Il est où? Il a disparu. J'ai eu peur. Il est où? Bon, je vais prendre la catabuse. Hop. Ah bah il est là. Allez, on va l'avoir. Alors, next. On arrose le piu-piu. Allez, reviens. Reviens. Allez. Oui. Elle est où? Elle est là. Regardez la dernière. Ah oui. Ah oui. Et voilà, c'était la dernière piécette de ce niveau. Normalement. Si je vais sur mon truc, Colline Bianco, nous avons les 8 soleils, les 2 soleils secrets, le soleil des 100 pièces et les 30. Oui, le soleil des 100 pièces, oui. Et les 30 pièces bleues. Voilà, et on va s'arrêter ici pour cette fois-ci. C'est déjà pas mal. Des bisous YouTube, à la prochaine.